baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Établi par le ministère, là c'est réservé uniquement à la famille, mais pour les amis et connaissances de la ville, pour l'enterrement. Merci beaucoup. On peut lever les corps. Caméra, laissez la place. Oui, oui. Maman perdue là. À la maison, c'est la famille. À la maison, c'est la famille. Caméraman, équipe donnée, réseau Kota. Thank you.
affaires étrangères. Messieurs les directeurs, chefs de service, mesdames et messieurs, c'est avec émotion qu'avions-nous appris par sa personnalité, son talent, par l'autorité et le patriotisme avec lequel la République démocratique du Congo est la libération du peuple congolais, dont la dépouille mortelle est... La mort fausse autour de nous a tout redoublé. Combien d'éminentes personnes de l'envergure de l'illustre disparu avons-nous vu s'éteindre? La mort, toujours la mort, et encore la mort, vient de faire tomber un baobab dont les graines vont repousser aussitôt. L'annonce du décès du patriarche, son Excellence Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, a soulevé une vague d'émotions de par le monde. Le mardi 19 février 2019, il nous a quittés à l'âge de 86 ans. Toute la classe politique, tous les Congolais ont été touchés. Né à Madambungu le 5 février 1933, du père Bousseau et de la mère Ndoundou, marié à Gloria González, fille d'un républicain espagnol, dont nous présentons nos condoléances les plus attristées. Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, était l'un des plus grands philosophes et psychanalystes du pays. Il fut parmi les plus jeunes politiciens et étudiants congolais à Paris dans les années 50, d'où il obtient son diplôme de docteur en philosophie et en psychanalyse freudienne. Son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, s'en va, emportant avec lui un gigantesque bagage intellectuel et une expérience incommensurable dans la gestion de la politique de la République démocratique du Congo. Sous feu le président Laurent Désiré Kabila, son Excellence, Monsieur le Vice-président Yerodia Abdoulaye Ndobassi, a occupé successivement le poste de directeur de cabinet du président de la République et de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Suite à sa loyauté indéfectible et consécutivement à l'accord de Sun City, il fut nommé vice-président de la République pour le compte de la composante gouvernement. Au terme de cette transition en 2006, il fut brillamment élu sénateur, responsabilité qu'il a assumée jusqu'à sa mort. Que ce faux flot d'éloges converge ainsi vers un homme qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en qualité de ministre d'État de mars 1999 à fin 2000, pendant une période tumultueuse de l'histoire de notre pays, à savoir la période de l'agression armée contre la République démocratique du Congo. C'est avec doigté et doublé de son amour effréné de sa mère patrie, le Congo, qu'il a su mener une diplomatie agissante et plaider la cause du pays devant la communauté internationale. Grâce à son action, la communauté internationale a d'abord compris le drame congolais, ensuite reconnu l'agression injuste dont la République démocratique du Congo était la victime expiatoire, et enfin, comme ne cessait de le réclamer le chef de la diplomatie de l'époque, la communauté internationale a demandé aux États agresseurs, à travers le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 1234 du 9 avril 1999, de se retirer du territoire congolais qu'ils avaient envahi en août 1998. Bonjour.
dire à vous. Mesdames et messieurs les honorables députés et mais le souvenir le plus marquant et le plus important, c'est sa volonté de servir la nation sans contrepartie et sa détermination à servir la nation dans toute l'indépendance, la souveraineté et surtout dans la paix. Vous avez suivi dans le mot du secrétaire général, il a participé vaillamment à la recherche de la paix pour la République et il l'a dit tout haut à la tribune des Nations Unies. Merci. Chers camarades, nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage à une figure historique de notre pays, un homme dont le parcours nous rappelle que l'histoire est faite d'abord de trajectoires individuelles, de convictions pour lesquelles les hommes et les femmes se battent au prix parfois de leur propre vie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme dont le cœur a frémi face à l'oppression de son semblable et qui a choisi tout au long de sa vie de dénoncer et de combattre toute forme de perversion, balayer les vieux mondes et ses séquelles parce qu'il pensait que c'est en devenant le support des forçats de la faim, de la belle la terre, que le monde changera de base. C'est aussi bien un honneur qu'une douleur d'être ici devant vous
pour rendre hommage à un homme dont les traits de personnalité finement structurés se dévoilent dans l'art de circoncire alliés à celui de questionner les réalités auxquelles il est associé. Yo Ozali Nani. Yo Outi Wapi. Yo Osala Nini, disait-il. Cet homme pour lequel le PPRD est notre parti avait une affectueuse et profonde estime en l'appelant patriarche. C'est le camarade Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Camarade qui s'est éteint dans la nuit de lundi au mardi 19 février 2019 à 86 ans. Chers camarades, de par sa naissance, il était déjà un symbole de la jonction entre le panafricanisme, arrimé à la lignée d'un père sénégalais, venu contribuer au développement économique de notre pays, le Congo, et le nationalisme sustenté par une tradition Congo plus que centenaire. À Tisville, aujourd'hui Mbazangungu, un couple sénégalo-congolais dont naissance à un jeune garçon à qui le père prend soin de donner le nom d'Abdoulaye. Nous sommes alors le jeudi 5 janvier 1933. Ce patronyme tenait à lui rappeler qu'il n'était pas que du Congo, qu'il était aussi d'ailleurs, qu'il jouissait donc d'un véritable métissage. À cette double origine allait s'ajouter un double rattachement religieux. Bien que scolarisé chez les prêtres catholiques en Mbazangungu, puis à Sainte-Anne, ici à Kinshasa, l'épouse de son grand-père maternel, c'est-à-dire une dame qui avait épousé le père de sa mère, pratiquait l'islam et l'avait longtemps nourri à la viande de mouton. Combien de jeunes écoliers de son époque, Yerodia fut baptisé chez les catholiques sous un prénom puisé dans le registre des apôtres de Jésus-Christ. Baninga tangwe kokie Papi gene tolo bela vi Papi gene Papi gene tolo bela vi Papi gene tolo bela vi Coin si coin moto teo tolo bela vi Kuna balobi nini Kuna balobi nini Ah balobi nini Veut dire tolo bela vi Papi gene Papi gene tolo bela vi Papi gene tolo bela vi